Les dominicains, c'est un ordre de religieux catholiques qui est fondé au début du XIIIe siècle, dans un contexte de division de la chrétienté latine, notamment avec ce que le magistère de l'époque qualifiait d'hérésie. Alors l'hérésie cathare est la plus connue, mais le catharisme englobe des éléments très divers. Dans le sud-ouest de la France, c'était en particulier extrêmement actif. Et Dominique Guzman fonde un ordre mendiant à peu près au même moment que François d'Assise fonde les franciscains et ce qui devient plus tard les franciscains. Et cet ordre mendiant est un ordre qui a une vocation de débat avec des personnes qui contestent un certain nombre de points à l'intérieur de l'Église catholique. Et donc c'est un ordre de prêcheurs et un ordre intellectuel. Et cet ordre de prêcheurs et cet ordre intellectuel s'intéressera assez rapidement aux relations avec les musulmans, avec une vocation de prédication dans des territoires, ou bien les territoires francs en Orient, ou bien au-delà, les territoires sous autorité musulmane. Parmi les personnalités qu'il faut retenir, dont il faut connaître le nom pour cette période-là, en lien avec les musulmans et l'histoire de l'islam, j'en propose deux. Celui de Ricoldo da Montecroce, parce qu'il est allé jusqu'à Mossoul, où il a discuté avec des musulmans et des nestoriens, qui est une autre branche du christianisme. Puis il est revenu à Saint-Jean d'Acre, et à Saint-Jean d'Acre, il a vu la prise de Saint-Jean d'Acre par les Mamelouks. Cette prise de Saint-Jean d'Acre s'est soldée par des massacres. Et en revenant à Florence, puis il était florentin, il écrit un ouvrage qui sert la polémique chrétienne contre les musulmans pendant plusieurs décennies et plusieurs siècles même, c'est Contra Legem Saracenorum, donc un livre contre vraiment la tradition musulmane, Coran, Hadith et les éléments juridiques aussi du fiqh. Ricoldo da Montecroce est un contemporain d'Ibn Taymiyyah, donc il faut le situer dans son temps. Les dominicains continuent à avoir un lien avec l'islam, notamment plus à l'Orient, jusqu'à la conquête par Tamerlan d'une grande partie de cet Orient-là. Et à la fin du XIVe siècle, il y a très peu de dominicains qui sont en lien direct avec l'islam. On les retrouve à nouveau dans des territoires sous autorité musulmane, au début du XVIIe siècle, notamment dans l'Iran safavide. Ils s'installent à Ispahan. Et pendant plusieurs décennies, ils ont un rôle actif à Ispahan notamment. Et c'est en fait vraiment à la fin du XIXe siècle, et puis après au XXe siècle, que les relations sont beaucoup plus durables entre les dominicains et des intellectuels musulmans. C'est ce sur quoi j'ai mené une recherche pendant plusieurs années. Donc le contexte de cette première période des relations entre les dominicains et les musulmans et l'islam d'une manière plus générale est celui des croisades. Donc, pas de la toute première période des croisades, pas des premières croisades, mais de la fin du XIIIe siècle, XIVe siècle principalement. Alors, les dominicains se sont intéressés à l'époque contemporaine aux musulmans à partir de l'école biblique de Jérusalem. Donc à la fin du XIXe siècle, Marie-Joseph Lagrange s'installe à Jérusalem et son objectif est d'essayer de comprendre le type de société dans lequel le texte biblique, Ancien et Nouveau Testament pour les chrétiens, a été élaboré. De ce fait, il y a un côtoiement avec une population très majoritairement musulmane, puisque la Palestine de ce moment-là est dans l'Empire ottoman. Et parmi les dominicains de l'école biblique de Jérusalem, l'un d'entre eux, qui s'appelle Antonin Jossen, mène des enquêtes ethnographiques dans la péninsule arabique, auprès de tribus arabes musulmanes, mais également chrétiennes. Et ces enquêtes ethnographiques ont d'ailleurs donné lieu à une exposition à l'Institut du monde arabe qui montre vraiment des choses qui ont été complètement oubliées depuis. Jossin, pendant la Première Guerre mondiale, est actif. Alors, il joue un rôle un peu comme celui de Lawrence d'Arabie pour les Anglais, puisqu'il travaille pour l'armée française
pendant cette Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, il a l'idée, avec Lagrange, d'installer un institut au Caire. Le Caire de l'époque est une ville qui est principalement musulmane, mais avec une forte population, minorité, qui est une minorité qui vient du Levant. On les appelle les Chawam, les Levantins, le pays du Cham, et qui se sont établis essentiellement à partir de la fin du XIXe siècle, parce qu'il était plus facile de s'exprimer au Caire qu'à Istanbul ou à Beyrouth. Et cette population est, si vous voulez, une population intermédiaire entre la population égyptienne, musulmane et copte orthodoxe principalement, et la population européenne qui compte des dizaines de milliers de représentants, qu'ils soient français, britanniques pour l'essentiel. Dans ce milieu-là, les dominicains disent « nous allons travailler sur l'égyptologie, la coptologie et l'islamologie ». Finalement, c'est uniquement le troisième terme qui est retenu. Après bien des déboires, Jossin parvient à convaincre une nouvelle génération de dominicains qui est formée dans les années 30 de s'établir au Caire et de développer un travail sur les études islamologiques. Cette génération est marquée par trois personnalités. La première est la plus importante parce qu'elle joue le rôle de pivot au Caire. Il s'agit d'un grec orthodoxe baptisé catholique qui s'appelle Georges Chehata Annaouati, un parfait arabisant qui est égyptien de naissance et qui a été formé en Égypte, puis ensuite en France, une formation de philosophie et de théologie, comme tous les dominicains. Et quand il revient au Caire en 1945, il a déjà une expérience particulière, puisqu'il a travaillé pendant la guerre en Algérie avec quelqu'un qui est connu des orientalistes par la suite, qui est un petit frère de Jésus, frère André, qui s'appelle Louis Gardet, de son nom d'orientaliste. Et l'un et l'autre ont préparé, pendant cette période de la guerre, un ouvrage qui est une introduction à la théologie musulmane. L'ouvrage paraît en 1948 aux éditions Vrin, et ce qui est remarquable, c'est qu'il est accueilli aussi bien favorablement par l'intelligentsia musulmane Kairot, ou égyptienne d'une manière plus générale, et par l'intelligentsia chrétienne qui est intéressée par les relations avec les musulmans. À une exception près, celle d'Abdel Jalil, un franciscain, donc marocain, converti au catholicisme, et franciscain, qui dit que dans cet ouvrage, qui certes ne cherche pas à faire prévaloir la pensée chrétienne sur la pensée musulmane, ce qui fait le caractère inédit de l'essai, donne une place un peu trop grande côté chrétien au thomisme et côté musulman au hanbalisme. Donc c'est la seule critique négative. Pour le reste, il y a beaucoup de mots très très positifs dans ce milieu-là. Alors ces dominicains créent un institut qui s'appelle l'Institut dominicain d'études orientales à partir de 1953. Et ils sont en relation avec un certain nombre d'intellectuels musulmans. Leur institut délivre de manière périodique un gros volume d'articles qui est le mélange de l'Institut dominicain d'études orientales, qui est à la fois un recueil d'articles savants, une étude des manuscrits arabes qui sont imprimés, édités de manière critique ou non critique dans le monde arabe à partir des années 50, et qui montre véritablement le développement de l'édition en langue arabe, essentiellement sur les sujets qui concernent l'islam à partir de ces années-là. Alors, ces dominicains ont table ouverte, et le couvent, qui est donc également un institut, plus une bibliothèque qui s'enrichit annuellement par des achats qui sont faits notamment dans les salons ou les différentes librairies du Caire ou d'Alexandrie, reçoivent donc des intellectuels musulmans, parmi lesquels on retient quelques noms, celui d'Ibrahim Matkour. Ibrahim Matkour est quelqu'un qui a soutenu sa thèse en Sorbonne, qui est spécialiste de philosophie arabe et musulmane, et qui devient le président de l'Académie de langue arabe au Caire. Ibrahim Matkour est vraiment un grand familier de l'Institut dominicain d'études orientales. Il y a également Kamel Hussein, le docteur Kamel Hussein,
qui est l'auteur d'un essai extrêmement intéressant qui s'appelle « La cité inique », qui est un regard sur le procès de Jésus par un musulman, à partir des sources qui sont des sources propres à la tradition chrétienne. C'est un musulman qui pense ses sources propres à la tradition chrétienne. L'ouvrage a d'ailleurs été traduit en langue française, donc un ouvrage vraiment très très intéressant de ce point de vue-là. Il y a évidemment Taha Hussein, qui a été ministre de l'instruction publique auparavant et après romancier, essayiste, qui publie lui aussi un ouvrage sur la fitna aux éditions Ouvrin, dans la collection qui a été ouverte par Gardet et Anawati. Et Taha Hussein a des relations alors moins familières que celles d'Ibrahim Matkoul, mais qui sont relativement régulières avec les dominicains du Caire. Et Taha Hussein va aider Roger Arnaldez à faire sa thèse sur Ibn Hazm. Donc vous voyez, on a un petit milieu ici qui se côtoie, un petit milieu qui travaille ensemble, qui converge vers une recherche commune, et pas du tout un groupe qui essaye d'imposer des vues par rapport à un autre groupe. D'autres figures travaillent dans ce milieu-là. Mahmoud El-Khodairi, qui est le premier qui obtient une bourse pour aller travailler au Vatican, dans la bibliothèque du Vatican, donc un intellectuel musulman qui obtient une bourse pour aller travailler au Vatican. Et puis Osman Yahya, qui est également un philosophe musulman de langue arabe, qui a une position importante dans l'université égyptienne des années 60, 70 et 80. Puis il y a des acteurs plus ponctuels qui interviennent. Une des figures qui est un intellectuel musulman qui a une relation plus délicate avec les dominicains du Caire, c'est celle de Abdulrahman Badawi. Abdulrahman Badawi a été un peu oublié depuis une vingtaine d'années, mais dans les années 40 à la fin des années 70, c'était vraiment un intellectuel de très haute volée qui dominait la scène égyptienne et qui était un excellent francophone, qui a publié le volume consacré à la philosophie musulmane dans la collection ou la série sur l'histoire de la philosophie qui a été publiée en France. Et là encore, nous voyons des connexions dans un rapport tout à fait égalitaire entre intellectuels musulmans et intellectuels catholiques dans les années 50, 60 et 70. Alors, ces dominicains ont à la fois un rôle d'érudition, donc ils travaillent sur l'histoire de la pensée musulmane, dans le champ philosophique, dans le champ de la mystique aussi, et ils posent de ce fait des questions à leurs co-religionnaires catholiques, c'est-à-dire, est-ce que la philosophie de langue arabe portée par des acteurs musulmans a un intérêt et peut apporter quelque chose aux catholiques? Est-ce que la mystique produite par des musulmans, c'est-à-dire le discours mystique produit par des musulmans, peut apporter à des catholiques? Et de ce fait, ces intellectuels catholiques poussent leurs co-religionnaires à se demander, mais au fond, quel peut être pour les catholiques l'apport des musulmans? La question se cristallise à la veille du Concile dans ces milieux-là. Les Pères Blancs ont produit un travail à peu près convergent à partir de Tunis notamment, puis ensuite à Rome. Et lorsque l'Église catholique décide de réunir un concile, donc c'est le pape Jean XXIII qui décide de réunir un concile, au départ qui est centré sur les questions d'œcuménisme, ils vont jouer un rôle clé pour faire entrer la question des musulmans dans les réflexions des pères conciliaires. Ce qui est remarquable, c'est que les textes préparatoires du concile n'évoquent extrêmement rarement la question de l'islam et des musulmans au tout début des années 60. Et ces dominicains, comme ces pères blancs, jouent un rôle de lobbyiste à Rome pendant les quatre sessions du concile pour que la question de l'islam et des musulmans soit posée. Alors elle est posée dans un texte très particulier qui au départ ne doit concerner que les relations entre les chrétiens catholiques et les juifs. Et les chrétiens orientaux, notamment du monde arabe, et ces religieux dominicains ou les pères blancs qui sont des prêtres séculiers disent « Vous ne pouvez pas parler des relations entre catholiques et juifs, si vous ne parlez pas des relations avec les musulmans, puis avec les autres religions. » Et en fait, les
musulmans, dans le discours du magistère de l'Église catholique, interviennent comme ça, par accroc, à partir d'une question sur les relations entre les catholiques et les juifs. Et les dominicains ont joué un rôle clé dans ce domaine-là. Alors, quel est le contenu maintenant? Le contenu, c'est que pour la première fois dans l'histoire, cette histoire de plusieurs siècles, le magistère de l'Église catholique va porter une parole positive sur les musulmans. Il y a un paragraphe qui est un paragraphe tiré de la déclaration Nostra Aetate, qui est la déclaration des relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes, qui concerne les musulmans, et c'est une parole positive sur les musulmans, ce qui dans les textes magistériels n'avait pas existé au préalable. Donc là, il y a un rôle qui est essentiel. Alors, je précise tout de suite que c'est une parole positive sur les musulmans, mais quand vous regardez de près le texte, vous vous apercevez que parce qu'il n'y a pas d'accord, parce qu'il y a encore de grandes interrogations de la part des pères conciliaires, le terme islam, le nom Mohammed ou le terme Coran n'apparaissent pas dans le texte. Ce sont les musulmans, c'est le nom d'Abraham, qui est une figure commune, qui est présentée ici aux catholiques et aux musulmans, mais vous voyez qu'il y a des zones sensibles qui montrent qu'il n'y a pas de consensus des pères conciliaires pour pouvoir aller au-delà de cette référence commune, par exemple, à Abraham, à des éléments liés au salut qui sont relativement importants. Après, c'est la question qui est posée par les dominicains à leurs coreligionnaires, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de ce texte-là? Alors, ce texte-là est plutôt bien reçu, à l'exception d'un passage sur l'appel à oublier les difficultés ou les mots MAUX du passé. Donc cette partie du texte fait débat du côté des musulmans. Pour le reste, c'est très très bien reçu et ça donne un élan au dialogue interreligieux dans les années fin des années 60 et dans les années 70. Et Annawati, d'ailleurs, se spécialise d'une certaine manière dans le dialogue interreligieux. Il participe à de très très nombreux congrès, y compris en rencontrant un certain nombre d'obstacles et du côté catholique et du côté musulman. Alors, l'histoire de ces dominicains est consonante avec l'histoire de la pensée musulmane contemporaine. C'est-à-dire que si on crée des phases chronologiques pour permettre de voir des différentes étapes, on s'aperçoit que les relations entre intellectuels catholiques et intellectuels musulmans sont relativement aisées, faciles, dans les années 30, 40, 50 et 60. C'est une forme d'âge d'or. Il y a un pot commun de références et intellectuelles et théoriques qui font que les uns et les autres peuvent se placer sur un pied d'égalité, alors même que le monde majoritairement musulman est encore sous domination coloniale. Mais il y a un langage commun qui est tout à fait remarquable. Après la fin des années 60, dans les années 70, 80, ces relations ne s'arrêtent pas, mais elles sont beaucoup plus difficiles avec les nouvelles générations. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'acteurs, notamment du côté musulman, mais également du côté catholique, disent, pour les acteurs du côté musulman, nous devons rejeter tout ce qui est venu de l'extérieur. Et c'est un rejet dans le champ de l'érudition, c'est-à-dire un savoir dont il faut rejeter les termes. C'est un rejet dans le champ du droit, et il y a des colloques, notamment, qui se tiennent à El-Azhar, à la fin des années 70, qui disent « nous allons repousser ça, nous allons rejeter ça », ce qui rend plus difficile les relations avec les intellectuels catholiques à la fin des années 60, dans les années 70, et plus encore dans les années 80. Annawati, quand il est interrogé par Mahmoud Azzab, qui est un Azari, et qui est devenu enseigner en France, pense que c'est une queue de comète, c'est-à-dire que c'est une crise comme on a connu le catholicisme au début du XXe siècle, au moment de ce qui a été appelé la crise moderniste, et que, et sur le plan du savoir, et sur le plan législatif, les musulmans vont faire
ce qu'il appelle, lui, un aggiornamento, qui est le terme qui a été employé pour parler de l'aggiornamento catholique au moment du Concile Vatican II. Cette queue de comète n'en est pas une, en fait. Anahuati décède en début 94, et on voit que la part de l'islam intégral reste dominante dans les années 90 et dans les années 2000, pour aboutir à la crise des années 2010. Il n'empêche qu'il y a eu toujours un lien entre ce petit milieu-là et le milieu des intellectuels musulmans. Ce lien est remarquable notamment au moment d'une crise entre le Vatican et Al-Azhar. Cette crise se noue en 2006, après le discours de Benoît XVI à Ratisbonne, qui établit une relation à partir d'une référence qui est secondaire dans ce discours, puisqu'il vise beaucoup plus le monde moderne qu'il ne vise le monde majoritairement musulman. Quoi qu'il en soit, ce qui a été retenu, c'est la relation établie entre la tradition musulmane et des éléments de violence. Donc ça crée une première crise en 2006, puis il y a une deuxième crise en 2010, lorsqu'il y a des attentats qui sont perpétrés contre des chrétiens en Irak et en Égypte, et que Benoît XVI demande de protéger, davantage que cela n'est fait, des chrétiens en Orient. Al-Azhar, qui a établi un lieu de dialogue régulier avec le Vatican, le Saint-Siège, dit « ça suffit, on rompt ces relations tant qu'il n'y a pas d'excuses du côté du Vatican ». Et officieusement, il y a une relation qui est établi par les Dominicains du Caire. Donc les Dominicains du Caire, qui sont assez critiques vis-à-vis de ce qui a été dit par le pape Benoît XVI, dans le contexte dans lequel il l'a dit, en fait, créent cette relation, ou maintiennent cette relation avec les Azaris. Et la nouvelle génération, alors la génération qui a été formée avec Régis Morlon, qui a créé une nouvelle bibliothèque, vraiment une nouvelle bibliothèque au Caire, qui accueille de nombreux étudiants d'Al-Azhar. Emilio Platti, qui a joué un rôle important et en Belgique et au Caire, même s'il venait moins souvent. Claude Gilliot, qui est un spécialiste de Tabari, mais également du Coran, et qui a publié de très nombreux articles sur ces questions d'exégèse. Puis la génération suivante, celle de René-Vincent de Grandlenay, celle de Jean Druel, celle d'Adrien Candiar. En fait, sans avoir le même rayonnement qu'au moment de Anahuati, Jaumier ou Borocueil qui avait travaillé sur le mystique Ansari, ont conservé cette possibilité de créer quelque chose avec des acteurs musulmans en tant qu'acteurs catholiques. Donc l'Institut dominicain d'études orientales possédait dès sa fondation en 1953 un fonds de bibliothèque. Mais ce fonds de bibliothèque a été considérablement enrichi au cours des décennies. Et dans les années 90, la question s'est posée de savoir s'il ne fallait pas créer un nouveau bâtiment pour donner un nouveau rayonnement à ce patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. C'était à ce moment-là 150, 160 000 ouvrages avec des manuscrits ou des reproductions de manuscrits anciens tout à fait remarquables. En permettant un accès plus facile aux étudiants égyptiens, y compris donc ceux qui travaillent, qui se forment à Al-Azhar, dans un climat de travail très serein. Et c'est un pari qui a été pris à ce moment-là. Et ce qui est remarquable, c'est que la nouvelle bibliothèque a été inaugurée en présence de savants musulmans. Ce qui montre ici, dans un contexte très délicat et tendu, dont j'ai parlé il y a quelques instants, que la possibilité de dialogue était maintenue à ce moment-là. Associé à cette bibliothèque, il y a eu l'élaboration d'un logiciel qui s'appelle le logiciel Al-Kindi, qui permet de développer un outillage d'utilisation, pour une utilisation pratique, de ces volumes. Et dans la continuité de ces innovations, un projet a été développé de mise en ligne de 200 auteurs musulmans, de la période classique principalement, des écrits de 200 auteurs musulmans de la période classique principalement, avec un appareil tout à fait intéressant qui permet aux étudiants
contemporain, donc du XXIe siècle, de mieux connaître ce patrimoine musulman. Donc c'est un travail qui est au service du patrimoine islamique proprement dit. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'Institut dominicain d'études orientales et ses responsables sont en relation avec des Égyptiens, bien sûr, avec des Marocains, notamment la Fondation Abdelaziz, mais également avec des Saoudiens ou d'autres acteurs qui disent ben, « voilà, il y a un savoir-faire ici que nous souhaitons développer et ce rayonnement-là est, dans le contexte contemporain, assez fondamental pour le travail d'érudition de long terme. » Ce qui est, depuis la fin des années 30, une orientation qui a été prise par ceux qui ont pensé la fondation de cet institut.